Non, mais c'est le déconfinement, confinement. Mais c'est qui ça. Non, mais commence c'est à me taper sur la cervelle. Bon, alors, Anthony Morel, on parle de nos smartphones. Comment les nettoyer? Parce que. Ah, tiens, j'ai une idée, moi, je vous montre. Quoi? Je mets du gel hydroalcoolique sur un mouchoir, je fais ça sur mon smartphone mais et hop. Non, mais non. Voilà, je nettoie. Et hop, il est cassé. Non, c'est pas possible, ça. C'est pas une très très bonne idée. Globalement, il faut éviter d'utiliser tous les produits. Alors, est-ce qu'il s'allume après? Le gel s'allume très bien. Oui, ça va pour l'instant, mais enfin, sur le long terme, je suis pas certain. Tout ça, les produits d'entretien, le kit pour les vitres, l'eau de javel, tout ça, c'est à déconseiller. Même dilué, c'est pas très bon. Non, parce que ça abîme. Alors, ce qu'on appelle la couche oléophobe qui protège l'écran du téléphone, c'est ce qui empêche les traces de doigts et le gras d'adhérer au smartphone. Et ça l'abîme au fur et à mesure. Donc, c'est plutôt à éviter. Non, les trucs très simples pour nettoyer son smartphone. Ils sont en train de se fissurer, mon. Ah, bah voilà, c'est pour ça. Non, je plaisante. Non, conséquence directe. Les conseils les plus simples.